Salut les amis, c'est Soruno53. Aujourd'hui, on est sur Ghost Recon. Ça fait longtemps, on est de retour. Hein. On continue notre aventure pour tuer les chefs du cartel. Alors, on va les voir vite fait. On doit les tuer El Pozo Loro. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. À San Mateo. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Alors, c'est un chef du cartel hein, qui fait des effroyables disparitions dans la région de San Mateo. Et beaucoup de nombreuses, des nombreuses victimes, hein, bien sûr. Alors voilà, il se trouve ici. Hein. Alors nous, on est juste en bas, là, vous voyez ici, hein, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va aller tuer ça. On va peut-être lancer un petit drone quand même, parce que. Je déploie le drone. Alors on est dans un centre de recherche, je pense. Bon, il y a un mec là. Oh, il y a du monde. Attention, c'est une tourette fixe. Alors là, c'est pas une mission facile. Il y en a un là, mais il veut pas me le marquer. Il veut pas. Bon, bah il veut pas. Hein. Alors est-ce qu'on peut passer ailleurs que là? Non, il y a des blocos partout là-dedans. Merde. J'ai un sicario par là. Tu les situes où? Là-bas, vers le parking. Ah, on peut passer par là, peut-être, non? Ça se trouve. Non. Je regarde si je peux faire le tour par derrière, parce que des fois, c'est plus simple. C'est un sicario. Par là, près du point de contrôle. Hey, sniper sur le toit. Ouais, il y a des alarmes. Là, il y a encore un sniper, je pense. Ouh. Et là, petit. Alors, il y a des antennes, hein, bien sûr. J'ai un sniper en visuel. Ouais, une antenne qui est ici, une alarme. Il y a une alarme ici. Alors, j'ai la voix un petit peu grave, hein. Les amis, vous inquiétez pas. Allez, je sais qu'il y a un passage par là. Là-bas, ainsi que... Oh. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Oula. Là, je pense pas qu'on va rentrer par là. C'est chaud. Faut qu'on essaie de rentrer. Si on peut pas rentrer avec un véhicule, là. Une connerie comme ça. Ah. Il me fait chier, lui, là. Puis si on peut l'abattre déjà, ce serait bien. Bon, voilà, comme ça déjà. Hop là, on fait gaffe. Il y a peut-être un qui est par là. C'est con, on peut pas passer par là, si. Il y a personne. On peut passer par là ou pas? C'est une vraie forteresse. Putain, s'il faut faire tout le tour, c'est quoi ce bordel? Oh, les cons, on s'est fait repérer par derrière. Putain, c'est bordel. Alors, il n'y a pas trop de sorties. Et on s'en fout du camion. Bon, bah, comme ça, on nous a vu. Comme ça, à la discrétion, c'est mort.
Pierre, c'est bordel, on peut pas passer, c'est chiant. Cible neutralisée. On est rentré quand même. Alors j'ai de la chatte si je gagne, parce que... Sniper, j'ai le en visuel. Je vous rappelle qu'il nous faut vivant. Ah mais non. Ah, t'es dans ce bâtiment-là en plus. On va mourir, c'est sûr. Qu'est-ce que tu foutais? J'ai El Pozolero en visuel. Je vous rappelle qu'il nous faut vivant. Arriba, les mains en évidence. Eh ben j'ai de la chance. Hola, señores. Vous êtes plus grand que la plupart des livreurs. Ferme ta gueule, toi. Ah, oh, regarde ça. Ils coupent les gens, c'est de la boucherie, les enfoirés. Attends, je vais le poser là. Je vais récupérer ça. Ah, regardez ce qu'il fait, il coupait les gens en les mettant des barils. Oh le bâtard. Bon, pour sortir ici, ça va être chaud. Alors maintenant, on va essayer de sortir d'ici. Ça va être chaud. Pas sortir. Putain, c'est trop chaud. Faut se casser, putain. Allez, faut qu'on sorte d'ici là. Je sais qu'il y a une sortie, mais par là. C'est qui lui? Tu me fais peur, toi. Ils
s'il vous plaît, une sortie. Dans le conteneur. Oui. Dégagez. Allez, descends là, merde. Tu vas descendre, trop duc. Putain, il descend même pas, le enculé. Oh, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Oh, il y a du monde en plus. Ça va être chaud. Hein. C'est quoi ça? Y a pas un hélicoptère par là? Voilà, y a un sniper. Il faut le ramener où ce con là? Bon, il y a bien une route par là. Putain, s'il faut le ramener jusque là. C'est le bordel. Faut le ramener jusqu'ici. Bon, au pire, on va essayer de monter. Je vais essayer de monter par là, je vais traverser et puis on va couper. Bon, les amis, c'est bon, hein. J'ai réussi à ramener notre. El Pozolero. Alors, rappelez-vous, on était ici tout à l'heure et j'ai traversé tout ça, j'ai essayé de tuer ici des ennemis et j'ai trouvé un véhicule pour les frères ici. Alors, voilà. Allez, c'est parti, on est là. Hein. Il est là, enfoiré. Celui qui tuait des victimes. Bah, qui tuait des victimes, hein, qui capturait des personnes pour... Bon, j'attends mes potes ou pas? Allez. C'est parti, on y va. Alors voilà. J'espère que cette mission vous a plu. Bon, c'est peut-être pas terminé encore, mais bientôt il ne reste plus qu'un kilomètre. Ah, c'est une gare, tiens, je savais même pas qu'il y avait une gare. Voilà. Comme par hasard, il y a une patrouille. On va foncer, c'est bon. Oula. C'était par là. Hop là. Alors j'aime bien ce jeu, hein, franchement. On peut se promener partout. C'est un peu comme Assassin's Creed d'origine. Hein. C'est une grande map. Alors moi, j'espère qu'un jour, ils feront un jeu de guerre comme ça. Sur la guerre moderne. Et qu'on peut se promener dans le désert où on joue contre les islamiques. Bon, après, j'ai rien contre les islamiques, mais bon. Alors, ces petites routes. Voilà, c'est une petite route de PD. Hein. Allez, c'est bon, on arrive au point de départ. Pas à point, je veux dire, d'arrivée. Allez, elle sort d'ici, toi, enfoiré. Allez! Voilà, c'est bon, j'ai acheté la mission. Moi, j'ai un petit peu galéré quand même. Inigo Morales, juge fédéral, kidnappé en rentrant de son travail. Octavio Rodriguez, un jeune activiste, enlevé par une bande de types armés devant un bar. On l'a plus jamais revu. Mirabel Castro, une instite, disparue à un checkpoint de l'Unidad à Santa Cruz. Elle, je m'en souviens. Sa peau était très belle, comme celle d'un ange. Il y en a encore un millier d'autres là-dedans, espèce d'enfoiré, c'est seulement cette année. Chacun d'entre eux avait une famille, des proches qui sont fous de douleur. Ah, moi, je suis le tuerais, salopard. Mais ils étaient morts, qu'est-ce que je pouvais faire?
Midas pense qu'il a l'esprit d'un enfant. Je parie qu'il n'a aucune idée de ce que tu racontes. Eh ben, j'espère qu'il a une putain de mémoire photographique. Je veux les noms de chacune des personnes que tu as foutues dans tes barils. Ça prendra le temps que ça prendra, est-ce que c'est compris? Oui, d'accord. Et vous allez me ramener, Bernard? Parce que j'ai encore du travail.